L'inscription des candidats à l'examen du baccalauréat connaît des réformes au Bénin. Elle démarre désormais par une étape de pré-inscription en ligne où les candidats doivent faire le choix des filières dans les écoles spécialisées en attendant l'obtention du bac. Lorsque le candidat dépose ses pièces, les chefs d'établissement l'aident à s'inscrire sur le site de l'office du baccalauréat. Cela se fait avec toutes les pièces qui sont énumérées, mais l'inscription électronique nous permet effectivement d'avoir des informations fiables sur chaque candidat. Mais l'inscription en général totale se fait avec les pièces matérielles. C'est-à-dire lorsque le candidat, le chef d'établissement, n'aura pas déposé les pièces papier à l'office du baccalauréat. D'abord, cela se fait dans les DDEPS, ensuite ça vient à l'office du baccalauréat. C'est que l'inscription n'est pas valide si c'est seulement en ligne. Quand est-ce que l'inscription a lieu? Bon, nous avons ouvert le registre d'inscription depuis le 15 décembre dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et cela va courir jusqu'au 26 janvier 2018 à 18h. Et vous savez que nous ne prolongeons pas le registre d'inscription. Et pour aider les futurs bacheliers dans le choix des filières, il existe une application dénommée « Guide d'orientation des nouveaux bacheliers ». En fait, cette application a été réalisée dans le cadre d'un projet de la coopération franco-béninoise dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Ce projet s'appelle « Appui au centre universitaire professionnalisant, ACUPRO ». Donc, dans le cadre d'ACUPRO, une jeune société béninoise a réalisé cette application. Je vais vous présenter la première version, en tout cas la version actualisée, qui est complémentaire et qui va renforcer la diffusion du guide d'orientation aujourd'hui diffusé dans les établissements par les équipes de la DGES et de la DOB. Toutes les informations relatives à l'inscription à l'examen du bac figurent dans un cahier disponible à l'office du baccalauréat.